En fait, l'Association pour la mixité, l'égalité et la laïcité en Algérie est une association qui s'est créée parce que les jeunes hommes et les jeunes filles algériennes, parce que les hommes et les femmes en Algérie, on ont assez de la charte de plomb, de cette religiosité suffocante qui existe. Et nous l'avons vécu, nous, nous nous le sommes pris en plein dans la figure durant les années 90, mais ça ne s'est pas arrêté. Nous continuons à le vivre, c'est au quotidien. Parce que les islamistes, même si aujourd'hui certains nous font croire qu'ils ne sont pas au pouvoir, ils sont très bien implantés dans le champ politique et dans les institutions en Algérie. Les institutions ont changé de plus en plus, mais la vie au quotidien change et régresse de plus en plus. Parce qu'il n'y a pas un acte de la vie au quotidien des Algériens et des Algériennes qui ne soit pas rattaché à la religion. Il n'y a pas un moment où on regarde la télévision sans qu'un programme de télé s'arrête parce que c'est l'heure de l'Aden. Il n'y a pas une heure de la journée où nous n'entendons pas l'Aden. Il n'y a pas une heure de la journée où si le ramadan arrive, nous devons tous nous calfeutrer dans nos maisons pour faire croire que nous sommes tous de bons et de bonnes musulmanes. Donc nous pensons qu'en Algérie, il n'y a qu'une seule voie, elle est celle de la rupture. De la rupture avec l'islam, religion d'État, et avec toutes les constitutions qui inscrivent l'islam comme religion d'État. Nous sommes fatigués de l'inquisition, nous sommes fatigués de l'islamisme, et en Algérie, nous avons envie de vivre libre et de vivre ensemble avec ceux qui croient, avec ceux qui ne croient pas, parce que notre combat, nous, en tant qu'hommes et femmes politiques, syndicalistes, homme de la société civile ou citoyen lambda, ce n'est pas la religion musulmane en tant que telle, mais c'est de tous ceux qui veulent nous la mettre comme fondement politique pour nous faire marcher au pas